Et moi je suis prêt pour Noël là. Je suis Ah, préparé pour Noël. d'accord. Ça peut être pas mal une tenue Adidas, c'est cool. C'est pas mal, non? Y'a personne qui fête Noël comme ça là? C'est possible, hein? Ah En non, vrai, je c'est. rigole, mais ça se trouve, c'est possible. Non, c'est plus bien apprêté, petite chemise et tout, tu vois. Mais. Mais il y a On Roro, casse les Roro, codes! On casse les codes, nous! Non, les gars, vous ramenez pas comme ça Noël parce que vous allez vous faire insulter par votre famille. Et je peux le comprendre. Quand même, un minimum, les gars, c'est une Roro. fois par an. Je pense que c'est une fois par an où vraiment toute la famille est rassemblée. Un minimum, Un quoi. minimum. Ouais. Comme Vava. J'ai mal au bras. Comme Vava, pas mal, pas dégueu. Bon, alors, aujourd'hui, les gars, c'est le grand jour où bah, on sera plus ensemble, en fait, pendant 2 jours. Bah, d'où le titre, en fait. Bah oui. C'est quoi, ce sera quoi le On titre, un sera truc comme plus ça? ensemble, je sais pas. Bon, voilà, genre, on va pas être ensemble pendant 2 jours. Alors, oui, il y en a beaucoup qui nous ont posé la question aussi. Je crois que c'était hier ou avant-hier, avant-avant-hier en live. Est-ce que vous fêtez Noël ensemble? Et on avait dit que non en live. On avait déjà répondu à la question. Mais ils nous ont tous dit, les gens, pourquoi? Enfin, ils sont entre parenthèses un peu. Pose la question, hein, Pourquoi? Ils se pourquoi? sont dit, ouais, mais c'est pas normal et tout. Alors, faut savoir que Vava a une famille. Et moi aussi. Au cas où. Au cas où, même si, bah voilà, on est ensemble. Et ça fait 6 ans maintenant qu'on est ensemble. On fête quand même Noël chacun de notre côté. Et du coup, là, alors l'année dernière, on s'était organisé autrement, dans le sens où le 24, on l'avait fêté ensemble, Oh ouais, je sais avec plus. ma famille, et ensuite on avait live. Cette année, on ne va pas pouvoir live, donc aujourd'hui, pas de live, les gars, je suis Voilà. vraiment désolé. Oh ma lounette. Oh oui, le bébé. Mais cette année, c'est totalement différent. Bah, déjà aujourd'hui, on ne pourra pas live. Par Voilà. contre, on vous a réservé normalement un bon petit live le 25, si je ne me trompe Voilà, pas. 20 heures au soir. On avait dit. Alors ça, c'est à prendre avec des pincettes. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là dans les commentaires. Vu qu'on ne fait pas live le 24 et que ça nous fait un peu chier, dans le sens, bah, on voulait live pour Noël, tu vois. Enfin, pour le réveillon, tu vois. Parce que le 25, c'est le jour de Noël, hein. Oui, C'est ça? c'est Noël quoi. On se retrouve normalement le 25 vers milieu d'après-midi, fin d'après-midi. Ouais. Donc là, vous aurez une vidéo normalement. Et ensuite, j'aimerais bien lancer le live tôt, genre vers 18-19 h. Ah ouais? Ouais, c'est ce que je t'avais dit, et finir le live tard dans la nuit. Ah oui, ouais, pourquoi pas? Ça, c'est ce que je voudrais faire. Après, est-ce qu'on sera dispo? Est-ce qu'on sera pas trop crevé? Est-ce que ça sera possible? On n'en sait rien. On n'en sait rien, vous le verrez bien. Mais en tout cas, ça serait bien, j'aimerais bien qu'on fasse ça, les gars, ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si l'idée vous convient, parce que je sais que vous aussi, vous serez en famille, mais ça vous empêche pas de nous regarder aussi. Ouais. Après, voilà, je vous encourage pas non plus à passer votre Noël le Ah, téléphone. regardez notre live, Voilà, oui. téléphone accroché à la main. Mais je sais qu'il y en a qui se font chier les réveillons de Noël. C'est pour ça que ça me fait chier de pas live ce soir, mais bon, c'est pas grave. Bref, du coup, comme vous l'aurez compris, on sera pas ensemble pour Noël. Alors, Roro va rester à la maison, puisqu'il va fêter Noël à la maison. Mais moi, je ne fête pas Noël à la maison, je Avec fête. ma famille, hein, je le fête pas Voilà, tout oui, non, seul. mais il va tout En seul. tenue Adidas. J'aurais C'est pu! vrai, t'aurais pu. Mais du coup, voilà, il va le fêter avec sa famille à la maison. Avec Pico Exexé, mais moi malheureusement bah, je serai pas avec Pico Exexé ni avec Roro. Voilà, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé fêter Noël avec vous quand même. Un petit peu, un petit Ouais. moment, tu vois. Donc, Baba part dans sa famille. Ce soir, je crois que c'est avec, en gros, avec la famille de ton Ouais, père. voilà. Et demain, donc le 25, ce sera avec la famille de ta mère. Voilà. Baba, ça va être le Père Noël en vrai. Elle va se ramener chez sa famille, petit sac de cadeaux et tout, tranquille. T'es où? En vrai, ça, c'est ton sac ou c'est mon sac? Non, Parce que j'ai un sac à main. ça c'est mon sac, mais pour demain. Ok. Voilà. Mais au final, tu l'emmènes quand même ce soir. Oui. Allez, Et ensuite. ça c'est ton sac. J'ai tout rassemblé les cadeaux pour que rien ne soit perdu. Voilà. Exactement, elle a raison de faire ça. Tu sais pourquoi elle a raison de faire ça? Vous savez pourquoi elle a raison? Parce qu'à chaque fois qu'on fait des cadeaux, et même pour des anniversaires ou quoi que ce soit, et qu'on part à des anniversaires et qu'on va emmener à des anniversaires, on les laisse là. Voilà, comme par exemple ce vase là que j'avais offert à ma mère pour son anniversaire, c'est-à-dire il y a 3 mois, et ben en fait je lui ai toujours pas donné parce que je l'ai oublié. Du coup bah voilà, je vais lui offrir encore pour Noël. Je lui ai pris d'autres trucs. Ça c'est pour ce soir. Ah, tu peux aussi, on va partir. Ça c'est pour ouais. Ça c'est pour moi ce soir. Et ça c'est pour Roro. Voilà. Ah, avouez, ils sont grave frais mes paquets cadeaux quand même. Celui-là il est grave beau, vraiment. Essayez de deviner ce qu'il y a dedans. J'ai fait une Ça, petite c'est un paillote. cadeau pour un membre de ma famille. Attends, je vais pas montrer le nom quand même, parce que par respect. Essaye de deviner ce qu'il y a dedans. Moi, je sais ce qu'il y a dedans. C'est bien, hein, c'est pas mal. Une J'avoue petite que ça. tapiote j'ai fait. L'emballage est pas mal. Je peux l'utiliser là ou pas comme ça? Non, C'est ça avec non, cet ça va emballage. déchirer. Ah Ça va ouais? déchirer, j'ai trop peur que ça déchire. Non, s'il te plaît. Bébé, s'il te Et c'est plaît. vrai qu'il a fait tous les emballages, bien sûr, parce que j'aurais jamais eu la patience de faire les emballages Franchement, moi cadeaux. je kiffe faire les cadeaux de Noël. T'es chaud?
Enfin, moi, tu seras sûr de pas les perdre. Bon, en soi, dans la maison, t'allais pas beaucoup les perdre, mais on sait jamais. Non, mais surtout, c'était pas question de les perdre, c'était question de les interchanger. Imagine, me retrouver avec tes cadeaux pour ta famille. Ouais, ça, c'est ma toi, phobie, ça. Avec les cadeaux pour ma famille. Ah ouais, ma phobie, vraiment. Fais du saut de papier. Du saut de papier cadeau. Ouais, c'est pas du saut de haut, c'est du saut de papier cadeau. Oh, mon orchio. Bref. Bref, moi je vais y aller parce que je dois aller chercher ma petite mamie en voiture. C'est grave stressant pour moi, genre de prendre ma grand-mère. Je sais pas pourquoi. Genre vraiment, je sais pas si vous avez déjà pris vos mamies dans vos voitures. Non, c'est la deuxième fois, mais la dernière fois elle avait grave aimé. Elle avait dit ouais, tu conduis trop bien et tout. Mais c'était au tout début que j'avais mon permis. Mais là, je vous avoue que je suis pas très très bien. Allez, Kyo. Tu veux voir mamie? Tu veux voir mamie? Oh là là. Bref, du coup, Barbaro sera pas tout seul pour nous. Moi, je... Oh, je coupe les passages où je hurle parce qu'en vrai... Mais quand je vous dis je hurle pour les calmer, c'est que je hurle. Bref, du coup, moi, je vais prendre la voiture et je vais y aller. Et puis, je vais laisser ma petite famille. Oh, mes amis. Amour numéro 1, amour numéro 2, amour numéro 3. Mes tout petits némures. C'est vrai que c'est toujours compliqué Noël parce que bah pour ceux qui ont des familles ou entre parenthèses recomposées ou des familles qui sont séparées, des parents qui sont séparés. Dites-nous vous comment vous fêtez Noël, si vous êtes séparé de votre copine, si vous êtes séparé de votre mère, de votre père, ça peut arriver. Dites-vous que c'est pas grave, que enfin c'est pas grave. Et que si vous avez l'occasion de les voir tout au long de l'année, vous pouvez le faire, voilà. Bien sûr, après c'est mieux de le faire tous ensemble, mais c'est rarement possible de rassembler vraiment toute la famille, genre, ou en tout cas toutes les familles, enfin je sais pas si vous comprenez. Ouais, ouais, genre tu vas pas tous les réunir dans une salle des fêtes, tu vois. Mais ça, ça serait trop le must en vrai, hein. Ce serait trop bien en vrai. Il y en a qui le font, je pense. Je prendrais moins la tête. Après, je sais pas. Mais en tout cas, bon voilà. Faites au mieux avec votre famille. De toutes les manières, je pense que le principal, c'est de se voir, c'est de partager un repas ensemble. Bah, je sais qu'il y en a aussi qui ne fêtent pas Noël, mais je vous souhaite quand même, je vous l'ai déjà dit dans une ou deux vidéos, mais avec Vavan, on vous souhaite en tout cas de très joyeuses fêtes de fin d'année. Yes. Parce qu'il y a quand même le nouvel an qui arrive, donc... Entre parenthèses, les fêtes de fin d'année, même pour ceux qui ne fêtent pas Noël ou quoi que ce soit, je me détache totalement parce que je sais très bien que de base, Noël, c'est quand même une fête religieuse, même si avec le temps, bah, c'est devenu plus une fête, entre parenthèses, on se retrouve, une fête, entre parenthèses, commerciale. Mais voilà, pour tous ceux qui ne fêtent pas Noël, entre parenthèses, les fêtes de fin d'année, c'est quand même un renouveau un peu pour l'année, des nouvelles résolutions, ouais. Etc., etc. Donc ça arrive très vite. En tout cas, je vous souhaite que du bon pour cette année 2020 qui va arriver. Je prends de l'avance pour le nouvel an. Mais bon, on n'y est pas encore, mais on y est presque. C'est quoi, c'est dans 5 jours en vrai? Bah oui, non, dans 6 jours. Dans 6 jours, ok. Ah oui, dans 6 jours. C'est quoi ce cadeau-là? Pourquoi tu laisses là? Oh, ah mais, ça, ah oui, c'est pour demain. Maman. Maman. Voilà, voilà. Même pas pour les perdre ou quoi que ce soit, parce qu'on les laisse. Enfin, Vava les laisse. Mais je le voyais pas, il était tout suffit que Vava le prenne indemnie ou quoi que ce soit, très bien, wesh. Non mais, t'as pas intérêt à prendre mon sac là hein. Bah non, mais très bien, mais moi je pars pas de toute façon. C'est toi, t'as pas intérêt de prendre mon sac. Ouais, bah touche pas à mon mien non plus. C'est toi. Ça le folle bientôt, elle va partir avec les sapins, c'est ça. Tu prends pas le sapin dans la voiture? Non, non, non. Non. Bref, on espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, on vous a même pas demandé, mais likez les potes. Ouais, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et à vous abonner, c'est très très important. Vous voulez nous faire un beau cadeau pour Noël? Mettez le code créateur du haut dans la boutique Fortnite, les gars, ça fait très très plaisir. Passez un joyeux Noël et on fait de très très gros bisous. On se retrouve demain pour un live, on sait pas encore à quelle heure, mais un live et pour une nouvelle vidéo.